Il me semble que c'est en fait la non-pensée qui se réactualise dans ton être. C'est la non-pensée D'accord. qui se réactualise dans ton être de plus en plus facilement, de plus en plus fréquemment, et qui amène tout de suite un changement dans la perspective. OK, et donc un changement dans la pensée même. Une détente et un lâcher-prise par rapport à l'activité mentale. D'accord, oui. Dès qu'il y a un lâcher-prise, une détente par rapport à l'activité mentale, tout de suite, il y a une distance. D'accord, OK. Et quand on écoute un enseignement, on va avoir l'impression, effectivement, que quelque chose s'éveille en nous, mais ensuite, il va falloir savoir lâcher l'enseignement pour rester avec ce qui s'éveille en nous, sinon, on va rester infirme avec une canne. Oui, mais il y a une certaine beauté dans l'enseignement qu'on veut garder, quoi, qu'on ne peut pas lâcher. La beauté de l'enseignement, c'est ta propre beauté, hein, n'est pas différente de ta propre beauté. C'est ta propre Oui. beauté qui se déguise sous la forme de paroles ou d'un enseignement. Mais en fait, c'est Oui. toujours la même beauté qui est la nature de ton être. Quand tu te rends compte que l'enseignement lui-même n'est juste qu'une expression de ta propre beauté, ben finalement, tu réalises que c'est la beauté elle-même qui est l'enseignement, hein. J'ai l'impression que cet enseignement veut aussi s'exprimer par la pensée. Bon, ce n'est pas nécessairement d'aller le raconter à d'autres personnes, mais déjà en soi-même l'actualiser par une pensée, une sorte de pensée libre, quoi, en fait. L'enseignement utilise la pensée pour faciliter sa mort. Pour moi, ça se rapporte presque à de la poésie ou à de la musique, par exemple, qu'on aime réécouter parce qu'on trouve dans la poésie ou dans la musique une sorte de, comment on pourrait dire, une sorte de d'expression de la beauté, primordiale. Mais c'est même quand tu écoutes de la musique et de la poésie, on voit que ça te ramène toujours à ce sentiment profond de plénitude, d'unité, Ah d'infinitude. oui, Et ça c'est certain. c'est juste la plénitude et l'infinitude qui prend la forme de la poésie et de la musique pour revenir Oui, à soi-même, hein. c'est ça, oui. Donc en fait, tout ramène au point de départ, au point d'origine, à l'origine, Oui, oui. à ce qui précède la perception. Oui. Merci. L'enseignement ou les enseignements sont là pour créer un rappel de ce qui est déjà présent en nous, mais on l'a oublié, occulté, parce qu'on s'est perdu en route. On croit qu'on s'est perdu. On peut perdre quelque chose qui est objectif, mais on ne peut pas perdre ce qui n'est pas un objet.